Bienvenue chez les confinés sportifs, une nouvelle rencontre de Football Manager 2020. Nous sommes dans le Money Time au stade hashtag Restez Chez Vous. Nous suivons la SBZ Football, les Biterrois se déplacent en terre francilienne face au Red Star, le leader de ce championnat de France national. Données sont simples pour les Biterrois, il faut absolument 3 points et surveiller dans le même temps ce que va faire Bastia Borgo et l'équipe du Puy. Mais attention, le leader, le Red Star, qui est actuellement en pole position, n'est pas assuré mathématiquement à 2 journées de la fin d'être en Ligue 2 la saison prochaine. Il y a de l'enjeu des deux côtés. Le ballon qui est dans les pieds de Chariot, le portier du Red Star. Vintestu qui va presser. Long ballon pour Chahiri qui va frapper. Ballon complètement dévissé qui passe largement à côté des barres de Yann Marie. Attention pour ce corner pour Victor Elissal. Victor Elissal, le corner, la balle s'élève. Au deuxième poteau, la tête de Kevin Testu et l'ouverture du score. L'ouverture du score pour la SBZ Football, ça démarre bien. Kevin Testu qui a sauté plus haut que tout le monde et qui a surpris la défense francilienne. Chariot a touché le ballon, mais l'essentiel c'est que le ballon est bien au fond et que la SBZ Football mène 1-0. Allez, le ballon est dans les pieds des franciliens. Andy, coucou, d'abord. Repasse par le gardien. Repressing de Kevin Testu. Fixou Mutamuzo qui capte ce ballon, mais ça revient dans les pieds de l'équipe du Red Star, bien suivi par Robin Taillant. Et qui relance avec Enzo Real. Julien Senadji, Julien Serrano. Julien Serrano qui va trouver un long ballon sur le côté droit pour Kevin Testu. La frappe, c'est bien capté par le portier Chariot. Nouveau corner pour Victor Elissal. Si on pouvait faire la même. Le ballon qui va être contré, qui revient dans les pieds d'Adrien Bongiovanni. Qui redonne à Victor Elissal. C'est très bien joué, Victor Elissal, qui va, mais qui est contré par l'abord. L'équipe de Restart qui va pouvoir se dégager. Bon pressing là des Biterrois qui sont bien installés dans le camp du Red Star, mais ça va ressortir propre pour les Franciliens avec Pouillot qui voit le bon appel de balle de Quata. Quata, la frappe qui passe à gauche des poteaux de Yann Maria. Yann Maria pour l'instant qui n'est pas inquiété, mais attention, Romain Taillant, Elissal, Enzo Real. Elle est dans le camp des Franciliens, c'est bien joué. Avec Robin Taillant, peut-être pour le centre, qui va trouver personne. Et ce sera Sao qui va dégager son camp et qui va trouver bien placé Quata. Quata qui va rentrer dans la surface de réparation. Quata pour trouver côté opposé. Roy pour la frappe. Et encore une fois, de bonne lecture du jeu du portier biterrois Yann Maria. Pour l'instant, Béziers mène toujours 1-0 après ce but sur corner de Kevin Testu. Ça fait les affaires de Béziers. Attention, Robin Taillant qui va donner à Victor Elissal. Victor Elissal peut-être pour une frappe enveloppée. Quelle belle frappe de Victor Elissal. Elle était vicieuse, bien repoussée par Chariot. Les Biterrois qui n'ont pas froid aux yeux. On est maintenant en deuxième période avec Mendy. Mendy pour Roy. Pouillot. Attention à cette équipe de Red Star qui a dû avoir les consignes. Je vous rappelle que le Red Star, même s'ils sont leaders, ne sont pas encore mathématiquement assurés de monter en Ligue 2. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce que va faire la SBZ Football. Il faut prendre les 3 points ce soir. Attention à Quata. Quata qui rentre dans la surface. Quata pour la frappe. Et Quata qui égalise. Ah, en début de deuxième période, ça fait très mal. Et oui, je vous disais, les Franciliens qui vont devoir se ressaisir, qui ont dû avoir des consignes à la mi-temps. Allez, on est dans le camp des Franciliens avec cette longue touche très certainement de Robin Taillant. Bien capté, repoussé par Chariot, Victor Elissal, ça revient dans les pieds biterrois. Victor Elissal pour Ryan Senadji, Enzo Real. Ryan Bongiovanni, le ballon pour Yannis Amour. Real. On essaye de construire. On est à 35 mètres des buts du Red Star. Julien Serrano pour un ballon pour... Non, ça ne donnera rien, mais visiblement... Oui, Kevin Testu est accroché. Ce sera un pénalty. Pénalty pour Béziers. Et l'occasion de reprendre l'avantage. Enzo Real. Allez, Enzo. On compte sur toi. Allez, Enzo. Le ballon est repoussé par Chariot. C'était bien tiré. Mais le portier du Red Star est parti du bon côté. Elle est un petit peu rageant pour cette équipe biterrois, mais il reste encore du temps. Allez, ce bon corner qui est repoussé par l'équipe du Red Star, Sao.
Et Fixu Mutamuzo donc qui commet une faute dans le camp des Franciliens. Longue touche de Robin Taillant captée par Paul Chariot. Toujours un but partout entre les deux équipes et ce but qui a fait mal en début de deuxième période pour Béziers. Mais tout est encore possible pour les Biterrois. Il faut remarquer un nouveau but. Il va falloir être fort mentalement après ce pénalty qui a été stoppé par Chariot. Attention à ce centre et la tête et la claquette de Yann Maria. Heureusement que Yann Maria veillait, sinon le Red Star allait prendre l'avantage et ça commençait à devenir compliqué pour Béziers. Toujours un but partout, tout est possible. Pouillot, Hamache. Le ballon qui sera contré, mais visiblement ce sera une sortie de but. Allez, on revient dans le camp biterrois avec Mendy. Mendy, attention à Baradji qui va peut-être centrer face à Mikel Takalfred. Et Mika Takalfred qui dégage son camp, mais ça revient sur la tête de Mendy. Mais c'est bien récupéré au milieu de terrain par Adrien Bongiovanni. Adrien Bongiovanni qui va peut-être voir Kevin Testu. Allez Kevin, le face-à-face Kevin. Allez Kevin. Kevin, aïe, qui est contré. C'est Derrick Ozzy qui récupère le ballon pour Robin Taillant qui remet. C'est un but. But de Kevin Testu. Il l'a fait Kevin Testu. Il a dévié ce ballon au fond des filets. Béziers qui reprend l'avantage. 2-1. Et qui va peut-être, on l'espère en tous les cas, il reste du temps, conserver ces 3 points qui seront très importants dans ce money time. Allez, il faut tenir les Biterrois. Allez, ça revient dans les pieds de Chariot. Ah, ça va mieux pour cette équipe de Béziers. Il faut du mental pour cette équipe biterroise. Ils l'ont démontré lors des dernières rencontres. Attention à Hamache qui rentre dans la surface de réparation. Attention à Hamache qui va centrer pour une tête. Et c'est bien capté par Yann Maria. Attention à ce diable d'Hamache. On revient dans le camp du Red Star. Ryan Seladji, longue touche avec Derrick Osei. La frappe de Kevin Testu qui va en corner. 2-1 pour Béziers. Béziers qui a toutes les ressources pour l'emporter chez le leader. Il mène 2-1, Victor Elissalde pour une tête. Oh, quelle tête. Et ballon repoussé par Paul Chariot. C'est allé très vite. Allez, Enzo Real pour un autre corner. Corner toujours, c'est repoussé par Quata. Et ça va revenir dans les pieds biterrois. Il faut tenir. Enzo Real, il reste encore du temps. Toujours 2-1 pour Béziers avec ce doublé de Kevin Testu en première période et en deuxième période. Et ce deuxième but de Kevin Testu en véritable renard des surfaces, en véritable chasseur qui a dévié ce ballon. Attention et bonne défense biterroise. Yannis Amour qui va conserver le ballon, qui joue derrière avec Julien Serrano. On change de côté, on essaye de bouger le bloc, c'est bien fait, avec Derrick Ozzy qui va déborder, qui voit l'appel de balle de Kevin Testu, et celui sur le côté droit, Kevin qui va éviter la sortie de but de la frappe. Oh, quelle frappe d'Adrien Bongiovanni, un petit peu surpris. Le ballon passera à côté du portier Paul Chariot, et ce sera un corner pour Béziers. Une tête repoussée dans les pieds de Pouillot et ce sera une faute et un coup franc pour le Red Star. Béziers qui mène toujours 2-1 et qui tient pour l'instant ses 3 points précieux dans cette course au maintien à 2 journées de la fin. Enzo Real, Bilal Alamzaoui avec Victor Alissal, c'est bien joué. Victor Alissal qui va rentrer, qui voit le bon appel de palle de Derrick Ozzy, la frappe, ce sera aimanté et capté par Paul Chariot. Il y a des occasions pour faire le break pour Béziers dans cette rencontre, pourvu qu'il n'y ait pas de regret. Allez, avec Goujon, attention, les dents, le camp biterrois, ce long centre, mais qui est repoussé par Béziers. On se donne un petit peu d'air, assez insupportable. C'est étouffant cette rencontre. Attention à Hamache, la frappe qui touche le poteau. Béziers a eu chaud, il ne peut rien arriver à Béziers dans cette rencontre, c'est pas possible, il ne peut rien arriver. On l'espère, on croise les doigts, mais c'est étouffant comme match. Ah, c'est pas un match pour les cardiaques. Attention avec Bilal Alamzaoui. Bien Serrano qui conserve un long ballon. Il va trouver Kevin Testu dans un face-à-face. Kevin Testu qui rentre. Allez, le face-à-face, Kevin. Et le ballon sera capté par Chariot. On aurait pu souffler, mais non. Ça va rester étouffant. Attention à ce coup franc d'Hamache. Et quel arrêt! Quel envolé de Yann Maria. Bravo Yann. Ah, il le fallait cet arrêt. En tout cas, c'est important. Attention à ce corner repoussé par les Biterrois avec Adrien Bongiovanni. Derrick Ozzy, on dégage le ballon puisque le gardien était monté. La cage est vide, mais ça passera à côté.
On souffre, mais ça tient bon pour l'instant pour cette équipe de Béziers. Ces trois points sont importants. Dégagement de Chariot, il ne reste qu'une poignée de secondes et ça vient dans les pieds du Red Star. Bien lu par Michael Tacalfred, Victor Alissal pour Adrien Bongiovanni qui conserve le ballon. Adrien Bongiovanni à l'Adrien, faut la conserver cette balle, un long ballon devant, peut-être jeté un petit peu trop tôt. Ça revient dans les pieds de Bilal Hamzaoui, c'est pas perdu pour les Biterrois. Allez, un bon coup franc, ce sera pour Enzo Real. Enzo, prends ton temps Enzo avant de tirer. Ce coup franc fait jouer la montre. Ah, on souffre, mais pour l'instant on tient les trois points du côté de Béziers. Enzo Real pour ce coup franc qui est bien frappé, qui est repoussé, et ce sera un corner. Allez, ça va tenir pour Béziers. Ah, c'est suffocant, mais pour l'instant on est dans le camp du Red Star, il vaut mieux, et ce sera la fin du match. Béziers prend les trois points chez le leader, victoire 2-1 avec un doublé de Kevin Testu. Les autres résultats, un résultat qui ne fait pas pour l'instant les affaires de Béziers puisque Bastia Borgo s'est imposé à Laval 3-1, par contre le Puy s'est incliné à Villefranche 2-1. Béziers qui recevra la lanterne rouge Toulon lors de la dernière journée. Les données sont simples. Il suffit que de l'autre côté, le Puy qui reçoit Laval et Bastia Borgo qui reçoit Créteil, que ces deux équipes fassent ne serait-ce qu'un match nul. Victoire de Béziers, on l'espère, face à Toulon. Et ce sera le maintien assuré. On va trembler. Ce sera excitant, à suspense, suffocant, comme on l'a vu aujourd'hui. Mais cette équipe biterroise a des ressources. Bon confinement à tous. Prenez soin de vous au stade. #Restez chez vous, allez Béziers, on compte sur vous pour la dernière journée face à Toulon.